Oui, je disais que vous étiez directrice générale de Peugeot et vous arrivez à un moment triplement essentiel pour la marque. Essentiel parce que c'est le moment de lancer 308, la nouvelle 308. D'autre part, c'est le moment où on commence à basculer vers une électrification à peu près totale d'ici quelques temps. Et troisième événement, Peugeot entre dans la galaxie Stellantis. Et donc, c'est de tout ça que nous aimerions parler avec vous. Et en commençant par 308 hybride, qui est devant vous. Donc, 308 va arriver en thermique et en hybride, pas en électrique. Éventuellement. Éventuellement. Oui. Cette plateforme permet l'électrification totale. Donc, effectivement, ça, c'est notre stratégie. C'est le power of choice, comme on dit en anglais, c'est le pouvoir de choix. Donc, effectivement, vous avez un modèle et c'est le client qui peut choisir quelle version. Le thermique, le hybride et éventuellement l'électrique. Quand vous dites éventuellement l'électrique, ça veut dire... C'est dans quelques années, c'est tout. D'accord, d'accord. Au cours de la vie de cette génération-là. Oui. Ah, oui. Et non pas de la suivante. Parce que pour l'instant, vous avez dans votre catalogue entièrement électrique i208, i2008 et on remarque que ce sont... Effectivement, on a 7 modèles qui sont électrifiés. Électrifiés. 2 modèles électriques 100% et les autres sont électrifiés. Et on remarque sur les modèles totalement électriques qu'ils ne se différencient absolument pas des modèles thermiques ou hybrides. C'est une vraie volonté de la marque de ne pas différencier les modèles. Parce qu'aujourd'hui, pour le client, ils hésitent entre essence, électrique, etc., etc. Donc on a dit, aujourd'hui, la meilleure solution pour un client, c'est que le client peut choisir. Donc effectivement, c'est pourquoi nous avons cette stratégie. Et ça marche. Évidemment, quand je regarde le résultat, ça marche. Donc, c'est une bonne stratégie aujourd'hui. Peut-être pour l'avenir, ça va changer, mais aujourd'hui, ça, c'est le Et bon. Apparemment, c'est une stratégie suivie dans tout le groupe. Évidemment, c'est possible, mais nous sommes en avance en termes de les modèles qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est ça pour Peugeot. On a la possibilité parce que c'est depuis 2019, chaque modèle que nous avons lancé a une version électrifiée, soit électrique full, ou le hybride. Donc effectivement, nous sommes un petit peu en avance que le reste des marques. Le consommateur s'y perd un peu dans les appellations électrifiées. On parle de micro-hybride, de mild hybride, de hybride simple, d'hybride rechargeable. On est un peu perdu. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion que les constructeurs entretiennent éventuellement à dessein, en tout cas dans leur discours publicitaire, dans leur communication? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer de ce côté-là? Bon, pour nous, c'est aujourd'hui, on n'a que les voitures électriques et le hybride. On n'a pas le HEV ou la MHEV aujourd'hui. Mais je pense que c'est notre rôle pour expliquer aux clients qu'est-ce qu'il y a. Parce que vous avez raison, ce n'est pas clair quelquefois pour tous les clients, pour comprendre exactement. C'est un petit peu comme la formation. Il faut faire la formation pour expliquer. C'est la même chose pour un véhicule électrique. Comment je peux conduire cette voiture? Et donc ça, c'est autre. Il faut qu'on fasse ça aussi. Donc, ça, c'est très important. Et les constructeurs font leur travail en proposant une offre de plus en plus large. Et on a l'impression que ça coince un peu, par contre, au terme de déploiement de bornes de recharge, notamment sur autoroute et ailleurs. Quelles sont vos relations avec les pouvoirs publics de ce côté-là? Est-ce que vous les poussez un peu? Donc, moi, j'ai la confiance sur le gouvernement. Donc, effectivement, ils ont promis de mettre 100 000. Fin de cette année, ils ont déjà fait la moitié en 2020. Mais pour nous, nous avons décidé de faciliter la vente ou l'installation des bornes chez nos clients. Donc, on passe par le concessionnaire, on passe par les partenaires de fournisseurs de ce type. Après, on a des apps pour faciliter la vie. Donc, effectivement, c'est pour identifier où sont les bornes de recharge. Donc, on a décidé de faire ça, de ne pas investir nous-mêmes dans l'infrastructure, mais pour faciliter l'achat chez eux. Certains constructeurs annoncent déjà des objectifs de bascule totale dans l'électrique en 2030. La plupart fixent l'objectif à ce moment-là. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là également? Donc, nous avons décidé que d'ici 2023, 80% de nos modèles auront une version électrifiée. Toujours le thermique, mais aussi une version électrifiée. D'ici 2025, 100% de nos modèles auront une offre électrique. Mais je suis
chez Peugeot, nous sommes une marque globale. Donc, ce n'est pas que l'Europe. Donc, j'ai besoin de thermique pour les autres marques parce que je suis internationale. Donc, pour nous, on va garder le 2 jusqu'où c'est nécessaire. Donc, je pense que ce n'est pas notre stratégie de dire « je vais basculer vers l'électricité ». Qu'est-ce que je peux faire pour les clients dans le marché qui nous sont au même niveau de cette transformation d'électrification? Mais il faut avoir l'électrification en Europe. Et donc, évidemment, nous avons une stratégie bien définie et le plan est déjà en route. Vous allez nous livrer un scoop, c'est que la prochaine génération de 3008, qui est dans les cartons, aura une version totalement électrique. Oui, oui. Mais on commence avec le hybride premier, essence, diesel, et après on va introduire l'électrique. Alors, c'est très tentant ces voitures électriques, mais elles coûtent encore très cher. Est-ce que leurs prix vont baisser? Il y a une étude Bloomberg, que l'agence Bloomberg y a relayée récemment. Donc, on arriverait à une parité des prix à l'horizon 2025-2027. Est-ce que ça fait partie de vos projections? Ça dépend sur le coût des batteries, franchement, parce que ça c'est le truc. Donc, il faut gérer. Donc, il y a deux choses. La première chose, avec les véhicules électriques, c'est impossible, à mon avis, maintenant, de parler simplement de prix. Donc, effectivement, c'est le total cost of ownership, le coût. Donc, parce que ça, c'est très important. Donc, quand on maintenant met le prix pour un Peugeot diesel ou un Peugeot électrique, on met le total cost of ownership. Et donc, on essaie d'avoir le même niveau, à peu près, de le total cost of ownership. Je suis désolée, mais je ne sais pas le mot en français. Le coût total d'usage. D'avoir à peu près le même. Donc, ça, c'est la première chose qui est très importante. Après, évidemment, le prix, le coût, c'est la batterie. Et donc, chez Stellantis, on a décidé, avec une stratégie, et c'est annoncé par Carlos Tavares, au Assemblée générale, qu'on visite, par 2030, d'avoir 4 gigafactories. Donc, effectivement, c'est nous qui contrôlons, qui gèrent la production de batteries. Et le premier, c'est en 2023, en France. Donc, ça, c'est une façon de gérer le coût nous-mêmes. Donc, effectivement, c'est ça. Mais franchement, c'est impossible de dire est-ce que le coût de batterie va réduire d'une façon importante en 2025. Qui peut dire ça? C'est pourquoi on a décidé d'investir nous-mêmes pour gérer le coût, pour gérer la production. Et donc, effectivement, c'est notre stratégie, c'est de 80% des composants du véhicule électrique. C'est sous notre contrôle. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons pour l'avenir. Est-ce que vous parlez de Gigafactory, donc d'investissement énorme dans la batterie? Est-ce que vous travaillez également sur l'hydrogène? Oui, c'est très bien parce que nous avons fait une annonce il y a un mois. Donc on fait un test avec une flotte de voitures. C'est un camion, c'est le grand camion avec le hydrogen cell. Et donc on teste la technologie. Est-ce que c'est l'avenir? On ne sait pas. Donc, effectivement, on teste la technologie avec une flotte et avec un grand camion parce que le besoin de ce client, c'est effectivement, il fait beaucoup de kilomètres, première chose. Ils ont besoin de fast charging. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la hydrogen cell. Donc, on fait le test avec ces flottes, avec Peugeot, avec d'autres marques, dont Stellantis. Et donc, peut-être c'est l'avenir, mais je pense que c'est très important de tester ce type de technologie. Donc, selon vous, l'hydrogène serait plutôt destiné à des grands trajets, évidemment, et plutôt à des poids lourds? Donc, on fait le test parce que, oui, parce que pour les gens comme ça, c'est toujours le B2B, c'est les gens. Et comme j'ai dit, ils font beaucoup de kilomètres, donc ils ont besoin de fast charging. Donc, ce n'est pas toujours le cas avec le particulier. Mais peut-être ça va changer. Mais c'est pourquoi on décide de faire le test avec ce type de client. L'un des grands avantages des voitures électriques, c'est qu'on a moins d'entretien. Pour le consommateur, c'est assez intéressant. Pour vos réseaux de distribution, d'après-vente, est-ce qu'il y a des inquiétudes à gérer de ce côté-là pour eux? Je pense que c'est pour tous les constructeurs et tous les concessionnaires parce que la vie change. Et donc, c'est clair pour le concessionnaire, la vie va changer. Ce n'est pas que l'après-vente, je pense. C'est aussi, on a
beaucoup de choses qui arrivent, le vente en ligne, etc., etc. On a toujours besoin de concessionnaires pour montrer la voiture, pour faire l'essai, etc., etc. Mais évidemment, il y a toujours le service aussi. Il faut ajouter maintenant le service. Le service, par exemple, peut-être la subscription. Parce que peut-être j'ai besoin d'une voiture, pas tout le temps, etc. Et ça, c'est le nouveau business pour le concessionnaire. Donc, le modèle de business va changer. Mais évidemment, on a besoin de réseaux, mais ça va changer dans ce sens. Est-ce qu'il va y avoir, on sait que Renault ne va probablement pas poursuivre l'histoire de la Twingo, pardon. Est-ce que chez vous, les citadines de ce genre sont vouées aussi à disparaître? C'est un point de réflexion. C'est un point de réflexion parce que franchement, je n'ai pas la solution aujourd'hui, franchement. Parce que il faut maintenant étudier quel type d'objet est nécessaire pour la ville. Et donc, quand j'étais chez Citroën, donc effectivement, on a fait l'étude, le Citroën Ami, et maintenant, ça arrive. Et donc, ça, c'est peut-être une solution, parce que c'est petit, c'est facile à garer, etc., etc. Et c'est pas cher. Et donc, je pense, ça, c'est un point de réflexion. Mais franchement, chez Peugeot, j'ai pas la solution comme Ami. Vous ne pouvez pas nous annoncer une version Peugeot de l'Ami aujourd'hui? Non. Mais évidemment, j'ai toujours le bicyclette, mais franchement, je n'ai pas la solution mobilité pour Peugeot. Donc, c'est un point de réflexion pour nous. La mobilité en ville, oui, c'est vrai. Mais je pense que la mobilité en ville, il faut... Parce que la première chose, évidemment, on a besoin de quelque chose petit, on a besoin de quelque chose électrique. Et ça, c'est déjà compliqué. Parce qu'effectivement, avec le prix, il faut aussi un prix abordable. Et donc avec l'électricité, c'est toujours cher. Donc il faut trouver cette compromis, il faut trouver la solution. Y compris en autopartage pour trouver un produit. Et voilà, par exemple. Et donc c'est pourquoi, évidemment, Citroën Ami, c'est une bonne solution, mais il faut des autres. J'ai une dernière question, sauf si Pierre-Olivier en a une. Votre concurrent Renault a annoncé une limitation des vitesses à 180 km/h. Est-ce que c'est un projet que vous avez? C'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez? Ou vous laissez vos utilisateurs et vos clients se débrouiller? Aujourd'hui, on n'a pas la réflexion de changer comme ça. Je pense que ça dépend. Évidemment, ça dépend de la régulation et tout ça. Mais franchement, je pense que c'est pour nous, on a décidé d'innover dans une autre façon avec, par exemple, notre Neo Performance, une voiture de Neo Performance. Nous sommes en train de lancer le Peugeot Sport Engineered. Nous avons décidé de mettre notre stratégie électrification, de réduire le CO2, de ne pas payer les pénalités. Donc, effectivement, nous suivons les règles. Nous offrons nos clients le choix, le power of choice, le pouvoir de choix. Et après, aussi, nous avons décidé d'innover avec quelque chose, avec le Neo Performance, qui est effectivement la performance, mais respectueuse de l'environnement. Donc, c'est une autre stratégie. Et donc, vous nous promettez une 308 PSE qui va arriver. Il faut attendre. Je suis en train de lancer la première dans la gamme. Donc. Merci beaucoup, Linda Jackson. Merci. Merci d'être venue nous voir dans notre chapiteau. Et je vous dis à bientôt. Merci.